Une montagne en mal d'enfant. Je t'ai une clameur si haute que chacun, au brouillard courant, crut qu'elle accoucherait sans faute d'une cité plus grosse que Paris. C'est une montagne. Elle dit qu'elle va accoucher d'une cité plus grosse que Paris. Et en fait, elle accouche que d'une souris. Un peu difficile. On a beaucoup travaillé dessus, même en classe. Tous les jeudis, on y allait. Ma récitant, ça sert à réciter. Quand tu sais ça. Et toi, qu'est-ce que tu fais dans le spectacle? Je suis chef d'orchestre. Ouais. Que Paris souris. Une souris. De toute façon, ça sera noir. Hein. Moi, je verrais plutôt à gauche. Oui, c'est vrai que si vous regardez. Parce que là, si vous êtes de face, c'est moins. Voilà, au niveau de l'échelle, au-dessus de l'échelle. Et là-bas, au-dessus de l'échelle. Hein. Au-dessus de l'échelle, là-bas, la montagne. Déjà, ce qui est important de dire par rapport au môme ludique, c'est que il n'y a pas, dans l'esprit de Gérard Hotelin, à faire des compositions spécifiquement pédagogiques, et que c'est faire des œuvres, en tous les cas, moi c'est comme ça que je le comprends et c'est comme ça que ça m'intéresse, des pièces qui soient pour, on a envie de dire, une catégorie de musiciens qui sont des enfants et éventuellement des enfants musiciens qui peuvent être des scolaires, ce qui est le cadre de la plupart des compositions qui vont être mises en œuvre et faites travailler par des étudiants et étudiantes de CFMI. Allez, ridicule votre montagne là. T'as vu, il y a tous les rideaux autour, c'est uniquement ça. Alors ce qui est bien, c'est le parterre, le bois, en général c'est bon pour l'acoustique.
Par contre, les rideaux, ça fait... Tous les sons font hop. Alors, évidemment, que tout ce travail-là n'est possible qu'à partir du moment où il va y avoir un tuteur, un intermédiaire, un médiateur entre la composition proprement dite, qui existe effectivement sous une forme de partition, mais qui n'est pas une partition qu'on donne à des exécutants, puisque les enfants ne sont pas des exécutants, ils n'ont pas la technique, ils ne sont pas performants sur un plan de l'exécution par rapport à l'écrit. Donc il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui soit médiateur, qui soit intermédiaire, qui fasse l'interface entre la partition qui est la volonté plus ou moins précise donc, du compositeur et ceux qui vont s'en jouer, j'ai envie de dire. Alors c'est là où le musicien intervenant a le rôle capital. Ça c'est Paris. 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 Dans le cas de la montagne qui accouche, il n'y a pas techniquement sur le plan musical du code à être déjà médaillé. Bien au contraire, il y a simplement à savoir mémoriser des mots, des paroles, des intonations. Et ça de façon évidemment totalement orale, on va dire. Orale au sens des traditions orales. Moi je rajouterais maintenant orale au sens A, U, E, R, A et L, c'est-à-dire passant par l'oreille, oris, oreille. Attendez, la note elle est là. Chut. Stop. Chut. Vous êtes à l'écoute les uns des autres et vous restez ensemble. Ça sera plus intéressant et ça sera plus joli, d'accord? Faites pas les choses automatiquement comme ça. Essayez de faire quelque chose de beau dans votre voix. Souris! Une souris! Très aimable, hein? Une souris. C'est promettre beaucoup, mais qu'en sort-il souvent? Doucement au début. Prenez votre temps. Du vent. Mais aussi, au début, on est obligé d'écarter, enfin, quand on arrive, tous les deux, là, pour. Quand tu dis c'est promettre beaucoup. Enfin, ouais. Quand j'arrive, moi, je suis obligé d'écarter et des fois, il se resserre exprès. Et bien, justement, joue-le. Joue-le, les écarter. Tu le joues. Tu le fais vraiment. On prend un mot et puis ce mot c'est comme de la terre glaise, on peut lui donner des formes différentes en l'étirant, en la regressant, on peut la colorer, on peut peindre, enfin il y a toute une activité, j'ai envie de dire plastique, avec la bouche par rapport à un mot. C'est votre maîtresse qui va vous diriger. Je peux tenir un tout petit peu plus sur le E. Ça veut dire que c'est eux qui ont la bonne note. Donc vous la reprenez. Prenez ce qu'ils vous proposent, eux. Parce qu'eux, ils ont la bonne note. Ils sont bien partis sur « On dit que j'ai des belles jambes que j'ai dit ». Et vous êtes, en général, vous avez chanté plus bas « Que j'ai des belles jambes que j'ai dit ». Moi j'ai trouvé ça extrêmement positif, déjà dans l'idée de se retrouver à plusieurs intervenants pour préparer le travail en début d'année, pour nous mettre un petit peu sur des rails, réfléchir en commun à comment aborder la partition, ça avait déjà été très, très intéressant. Quand j'ai entendu la version et l'enregistrement,
Moi, ce à quoi je m'attachais, c'était non pas à savoir s'ils étaient en train de respecter la partition, que je ne voudrais même pas, bien évidemment, mais c'est de voir quel plaisir ils avaient, quelle était la qualité de l'énergie qu'ils mettaient, s'ils étaient présents, comment ils étaient allumés, j'ai envie de dire, par ce qu'ils étaient en train de dire. Quand je songe à... Séquence 5, quatrième. Parce que c'est vif, on court bien et on s'amuse bien et tout le monde chante. Nos parents, ils n'ont pas trop compris la montagne. C'est original. Parle, réponds. Pourquoi c'est original? Bah, c'est des bruits que tu n'entends pas tout le temps. Philippe, notre coach, qui nous a dit comment faire. Je suis très contente parce que toute seule, pourtant j'aime le chant, mais toute seule, j'aurais jamais pu déjà décrypter la partition. Et j'aurais jamais pu les amener là où ils étaient amenés, donc je suis